Bienvenue dans Simo Auto. Dans cette vidéo, nous découvrirons le rôle et les symptômes de défaillance de calculateur de gestion moteur. Les symptômes de défaillance de calculateur de gestion moteur. Le calculateur de gestion moteur, également communément appelé module de commande du moteur ou module de commande du groupe motopropulseur, est l'un des composants les plus importants que l'on trouve sur pratiquement tous les véhicules modernes. Il fonctionne essentiellement comme ordinateur principal pour de nombreuses fonctions de performance du moteur et de maniabilité du véhicule. Le calculateur de gestion moteur prend les informations des différents capteurs du moteur et utilise ces informations pour calculer et régler l'étincelle et le carburant du moteur pour une puissance et une efficacité maximale. Le calculateur de gestion moteur joue un rôle crucial dans les véhicules plus récents, où bon nombre des fonctions essentielles de la voiture sont contrôlées par le calculateur de gestion moteur. Habituellement, un calculateur défectueux ou défaillant produira quelques symptômes clés qui peuvent alerter le conducteur d'un problème potentiel. Parmi ces symptômes, nous trouvons le voyant de moteur allumé sur le tableau de bord. Le voyant de moteur allumé est un symptôme possible d'un problème avec le calculateur. Le voyant de moteur s'allume généralement lorsque l'ordinateur détecte un problème. Il y a des cas, cependant, où le calculateur allume un voyant de moteur par erreur, ou lorsqu'il n'y a pas de problème présent. L'analyse de l'ordinateur pour les codes de panne peut aider à révéler si le problème concerne le calculateur ou ailleurs sur le véhicule. Un autre symptôme d'un calculateur défectueux est un véhicule qui ne démarre pas ou qui est difficile à démarrer. Si le calculateur tombe complètement en panne, il laissera le véhicule sans contrôle de gestion du moteur et ne démarrera pas. Le moteur peut toujours démarrer, mais il ne pourra pas démarrer sans les entrées vitales de le calculateur. Ce symptôme peut également être causé par une grande variété d'autres problèmes, il est donc préférable d'obtenir un diagnostic complet par un technicien professionnel pour déterminer avec précision la cause. Parce que le calculateur joue un rôle si vital dans les performances du moteur, tout problème avec celui-ci peut causer des problèmes majeurs avec la fonctionnalité globale de la voiture. Comme les systèmes informatiques des véhicules modernes sont compliqués, ils peuvent également être difficiles à diagnostiquer. Pour cette raison, si vous pensez que le calculateur de votre véhicule a un problème, faites inspecter le véhicule par un technicien professionnel pour déterminer si votre voiture aura besoin d'un remplacement de calculateur.